Lolo Bouté met en garde dans l'affaire Apoku National. Avec les accusations de séquestration portées par Apoku National contre son frère Camille Makosso, Lolo Bouté sort ses griffes et met en garde. Selon elle, cette histoire sera tranchée par la justice et il n'est pas question que quelqu'un s'en mêle pour plaider. Et ceci malgré que l'accusateur Apoku National ait jeté l'éponge en décidant de ne plus se prononcer là-dessus. Voici donc la déclaration de Lolo Bouté. Ton pardon, on ne va pas prendre dans l'affaire Makosso à menacer une fille de 20 ans avec une arme. Tes affaires de dire tu n'es pas intelligent, c'est quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire que tu vas être intelligent. Je mets en garde quiconque, personnalité qui va venir intervenir dans cette affaire. J'ai juste sur les deux seins de mes enfants, on va vous exposer sur la toile. Vous qui êtes proche de Papi tout le gros là, pour ne pas gâter cette affaire en Côte d'Ivoire, n'essayez même pas de mettre le petit doigt dans l'affaire Papi tout le gros là avec le général. Sinon, on va vous afficher sur la toile. L'affaire est rentrée en politique et dans une affaire de crime. Parce que ce gros-là dit qu'il a des preuves qui inculpent le général dans le décès de sa femme. Là, on parle du maître. Quiconque va essayer de mettre sa gueule dans cette affaire judiciaire-là, je vous assure que vous n'allez pas croire. Ses parents sont là, ils n'ont qu'à l'aider. A fait savoir Lolo Bouté. Pour rappel, Lolo Bouté est la petite sœur du général Camille Makosso.